Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc, comme tu l'as vu dans le titre, c'est pour ou contre. Donc, on va me demander des questions et je vais dire si je suis pour ou si je suis contre. Donc, c'est tout simple. Avant ça, regarde mes ongles, s'il te plaît, parce qu'en fait, je viens de les faire. Et ils sont trop beaux et en plus la couleur elle est trop belle et je les ai trop bien faits pour une fois. Bon, ils sont pas nickel nickel, mais je trouve pour une débutante, ils sont bien faits quoi. Franchement, j'étais obligée de vous les montrer. Je les ai pas faits pour que personne ne les voit, je vous le dis. Donc j'ai noté les petits pour ou contre sur un énorme carnet qui est plus gros que ma tête. La première question c'est pour ou contre la cigarette. Puis pour parce que chacun fait ce qu'il veut. Et je suis contre parce que de un, ça tue la santé. Je suis désolée, mais ça te tue les poumons. Et je suis contre aussi parce que les gens, ils aiment trop fumer dans les lieux publics. En fait, ils fument partout dans la rue. Mais dans la rue, moi, je passe, tu m'envoies ta fumée dans la tête, frère. Ah non, en fait, je suis contre. Je suis même pas pour, genre, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, mais fait ce qu'il veut de quoi? Pour tuer la santé? Non, contre, contre, contre. La cigarette, ça pue, les gars. Tu fumes, t'en as partout sur tes vêtements, ça pue. Et la gare, ils sont là, ils te fument dessus et tout. Et ça m'insupporte. Je vous jure, les gens qui fument, ils m'insupportent. Si tu veux fumer, fume. Mais fume pas à côté de moi, c'est ça en fait. Je suis pour que tu te tues la santé, mais loin de moi, t'as capté. Ensuite, pour ou contre le cannabis. Donc plutôt pour ou contre la légalisation de cannabis. Alors, je suis pour parce que, comme je vous ai dit, je comprends pas pourquoi ils autorisent la cigarette et pas le cannabis. Bon, vous allez me dire c'est pas pareil, mais franchement, je suis pour. Déjà, si ils l'autoriseraient, il y aurait moins de trafic. Et si t'as envie de te tuer la santé, frère, vas-y, tue-toi la santé. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Si tu fumes pas à côté de moi, ça me va très bien. Et en plus, le cannabis, ça sent plus bon que la cigarette. Donc, la légalisation de cannabis, oui, je suis pour. Je vois pas pourquoi c'est interdit. En fait, tu t'autorises la cigarette, t'autorises l'alcool, t'autorises tout. Et t'autorises même le vaccin Covid, qu'on sait même pas ça fait quoi. Et tu t'interdis le cannabis? Non, 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 non. Je suis pas d'accord. Pour ou contre la peine de mort? Ça c'est chaud hein. Donc en fait je suis contre d'abord parce que il y a des gens ils sont innocents, genre imaginez vous tuez quelqu'un d'innocent, ça craint. Et ensuite je suis contre parce qu'en fait pour les gens qui sont vraiment coupables c'est trop facile, je vous jure, ils font des trucs de fou et vous allez juste les tuer. Non, c'est pas comme ça. Moi je pense que par exemple les violeurs qui violent des gens, faut pas les tuer, faut les faire, faut les mettre dans une salle. Il faut que des gens ils viennent les violer. Eh, c'est dégueulasse ce que je dis, mais c'est la réalité. Au bout d'un moment, en les tuant, ouais, ok, c'est facile. Mais au bout d'un moment, si peut-être on les torturait, peut-être qu'ils arrêteraient de faire des trucs comme ça. Ensuite, pour ou contre les fast-food? Pour, wesh, c'est bon les fast-food. Ok, c'est pas bon pour la santé, mais sinon c'est bon. C'est un bon goût et tout. Moi, je sais que quand je vais manger, je suis trop contente. Ça me rend heureuse. Donc, si ça me rend heureuse, c'est que je suis pour et que ça rend beaucoup de gens heureux. Donc, pour. Après, n'en abusez pas, mais franchement, je suis pour en fait. Il y a pire dans la vie. Hein. Ensuite, pour ou contre l'avortement? Eh les gars, on est en 2021 et il y a encore cette question de pour ou contre. Mais bien sûr que je suis pour à 100% en fait. Genre vraiment pour parce que déjà. Il y a des gens, ils se font violer, comme je l'avais dit. Et donc, peut-être que les filles qui se font violer, elles n'ont pas envie d'avoir cet enfant de leur qui les a violés. Et même, enfin, peut-être que à 15 ans, tu vas avoir des rapports et à 15 ans, tu n'es pas prête d'assumer un enfant. Donc, je suis pour l'avortement. Sachant que, par contre, je ne suis pas pour celles qui avortent tous les 2 jours. Parce qu'il y en a, elles aiment trop faire je ne sais quoi. Et après, elles vont avorter tous les 4 matins. Ça, je suis contre, frère. Au bout d'un moment, okay, les contraceptions, ça ne protège pas à 100%. Mais au bout d'un moment, il faut faire attention. Genre, vraiment, faut faire attention. Donc, je suis pour l'avortement, bien sûr, mais pas tous les 2 matins, enfin, pas tous les 4 jours. L'avortement, c'est pas un doliprane, les gars. Donc, voilà. Pour ou contre le vaccin Covid, oulala, je suis contre, totalement contre, parce que je sais même pas ce qu'il y a dedans. Et sachant que je suis contre les médicaments, ça veut dire que je prends pas de doliprane, je prends pas d'aspirine, je prends rien. Je veux pas m'injecter un truc que je sais pas ce qu'il y a dedans. Après, je suis pas contre les gens qui aillent le faire, parce qu'au moins ils le testent avant moi, tu vois. Genre les cobayes, ils y vont, et voilà, ils se portent volontaires, donc je ne vois pas pourquoi on leur dirait non s'ils veulent se porter volontaires. Donc je suis contre le vaccin, mais écoutez, si vous voulez faire les cobayes, allez-y de bon cœur, comme ça on aura vraiment un vrai vaccin après. Pour ou contre rester avec son ex? Pour, parce que les gens ils changent, donc peut-être ton ex il va changer. Et qui doit se retrouvera. Hein. C'est pas à moi de dire ouais, pourquoi t'es avec ton ex et tout, frère, fais ce que tu veux. T'as envie de te remettre avec ton ex, tu te remets avec ton ex. De toute façon, on apprend de ses erreurs, donc voilà. Pour ou contre le maquillage sur les hommes, enfin les hommes qui se maquillent, pour. Je suis pour en fait. Enfin, pourquoi il aurait pas le droit de se maquiller? Moi, au bout d'un moment, je suis là, je mets des survêtements, des TN, je m'habille comme un garçon, je sors dans la rue,
Tu crois que je suis un garçon, donc bien sûr que je suis pour. S'ils ont envie de se maquiller, laissez-les se maquiller. Pour ou contre l'amitié fille-garçon? Totalement contre. Déjà, surtout avec mon copain. Déjà que de base, je suis contre l'amitié fille-garçon, mais encore moins avec mon copain. Genre, mon copain, il a le droit d'avoir des copines. Et moi, d'ailleurs, j'ai même pas de collègues garçons parce que on sait très bien que dans l'amitié fille-garçon, il y en aura toujours un ou l'autre pour être intéressé par l'un ou l'autre, si c'est pas les deux. En général, si la personne, enfin, si t'es son collègue, et qu'il est beau, tu vas te mettre avec. Par contre, s'il est moche, là, tu vas le friendzone. Tu vas lui dire, non, reste collègue. Mais ça veut dire que s'il serait beau, tu te serais mis avec. Donc, je suis contre l'amitié fille-garçon. Je suis totalement contre. Ensuite, pour ou contre la chirurgie, je suis totalement pour. Parce que tout d'abord, ben, vous faites ce que vous voulez. Et en plus, si ça peut permettre à des gens de se sentir mieux dans leur peau, je suis pour la chirurgie. Je ne veux même pas dire avec modération parce que non, si tu as envie de te refaire tout le visage, tu te refais tout le visage. Il n'y a pas de modération, pas modération. Est-ce que vous allez dire dans la rue des filles qui se maquillent, vous leur dites oui avec modération, maquille-toi avec modération? Non, il y en a, c'est des pots de peinture et vous laissez sortir comme ça. Alors pourquoi je vais être contre la chirurgie alors que il y a des filles qui se maquillent, on dirait des pots de peinture? Donc oui, je suis pour la chirurgie. Tu as envie de te refaire le visage, refais-toi le visage en fait. Celles qui font de la chirurgie, je suis pour que vous dites que, enfin, vous assumez, parce qu'il y en a, vous faites grave la chirurgie, vous assumez pas, vous êtes là, non, c'est le sport, frère, c'est pas le sport, arrête de mentir, on fait tous du sport, on n'est pas comme ça, donc c'est pas le sport, donc ça sert à rien de donner des complexes aux gens, dis que t'as fait de la chirurgie, assume, et basta en fait. Je suis contre juste parce qu'il y en a qui n'assument pas et du coup les gens ils pensent que c'est la réalité des choses. Non, là je suis contre. Mais sinon je suis pour la chirurgie bien sûr. Ensuite, pour OnlyFine et Mime. Donc OnlyFine et Mime, c'est des plateformes où des filles elles vendent leur corps. Elles vendent des photos d'elles plutôt, on va dire. Pour moi c'est de la prostitution donc je suis contre. Parce que déjà c'est hyper dangereux. Et en général les filles qui font ça c'est des jeunes qui se disent ouais, je veux un peu d'argent de poche pour m'acheter. Mon dernier sac. Du coup, je suis contre parce qu'au bout d'un moment, si tu veux des sous, tu vas travailler comme tout le monde. Au bout d'un moment, tu vas postuler à McDo, tu vas travailler. C'est bon, c'est. Enfin, je sais pas, c'est trop de l'argent facile. C'est. Enfin, je sais pas, même pour toi-même. Peut-être que t'es contente, t'as ton sac, mais. Toi et moi, on sait que tu vas regretter en fait d'avoir fait ça. Donc, je suis contre. Surtout que ça peut être hyper dangereux de faire ça. Surtout que les trucs que vous mettez sur Internet, ça reste à vie, les gars. Donc, peut-être que dans 5 ans, vous aurez plus cette optique des choses et vous serez dégoûté que les photos elles tournent encore en fait. Donc je suis contre, je suis totalement contre. Au bout d'un moment dans la vie, faut se donner les moyens. Tu veux un truc, tu vas travailler, tu vends pas des photos de toi toute nue en fait. C'est quel genre de. Non, je suis contre. Et celles qui me disent, attends, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, c'est parce qu'elle s'assume, liberté de la femme. Je vous explique les gars, la femme, elle a pas besoin de se montrer toute nue pour être libre en fait. Genre, elle a pas besoin d'afficher son corps partout. Pour dire qu'elle est libre. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas ça, la liberté de la femme. Vous avez pété un plomb, je vous jure. J'en vois sur YouTube et vous vous dites oui. Parce que moi, je montre mon corps parce que je l'assume et je suis libre. Mais t'as pas besoin de le montrer à toute la France pour montrer que tu l'assumes, en fait. Assume-le toi dans ta chambre. Mais viens pas dire que tu l'assumes parce que c'est pas vrai, en fait. Si tu fais ça, c'est quand même... T'as un manque de confiance en toi et du coup, t'es là, tu montes ton corps pour te rassurer. Genre, ouais... Je le montre, donc je m'assume. Non, c'est pas vrai. Ce sujet, il me révolte. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, je pense, sur ce sujet parce que la liberté de la femme, c'est pas montrer ses fesses à tout le monde, en fait. C'est ça que je précisais. Rosa Parks, elle s'est pas battue pour que vous allez, pour que vous allez vous afficher je ne sais où. Hein. Je vous explique. Hein. Je pense pas qu'elle s'est battue pour ça. Porter le voile, d'ailleurs. Donc, en fait, je comprends pas. Donc, pour vous, c'est normal de montrer ses fesses, mais porter le voile, c'est pas normal, genre. Enfin, moi, je suis totalement pour porter le voile. Chacun fait ce qu'il veut. Et en plus, si une fille, elle a envie de porter le voile, elle porte le voile, ça ne veut pas dire qu'elle est moins libre que celle qui met une mini-jupe, ça ne veut rien dire. Au bout d'un moment, tu laisses des gens sortir en mini-jupe et tu ne laisses pas quelqu'un sortir voilé. Enfin, au bout d'un moment, réveillez-vous. Les gens, s'ils ont envie d'être voilés, s'ils ont envie de mettre ce qu'ils veulent sur eux, ils mettent ce qu'ils veulent sur eux. Il faut arrêter. Donc oui, je suis pour le voile, d'ailleurs. La chasse aux animaux, genre ceux qui tuent les animaux dans la forêt pour chasser... je suis contre, je vois pas en quoi chasser c'est un divertissement, t'es là tu tues des animaux, c'est pas un divertissement, c'est pas bien, déjà on tue assez d'animaux dans les abattoirs et tout pour les manger, donc en plus si toi tu vas dans la forêt tuer des animaux, non je suis contre, totalement contre, je trouve que c'est horrible de faire ça, franchement ceux qui font ça ils ont pas de cœur. Donc voilà, je suis contre la chasse. 20 minutes que je tourne cette vidéo, donc ça fait trop beaucoup, je vais galérer au montage, donc au pire je ferai une seconde partie, mais j'espère déjà que cette première partie elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre, et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo pour me donner de la force et à vous abonner. Voilà, bisous.